Ben oui, je suis moins chamette. Ah oui, ben hop, ça c'est fait. On fait pas de bruit. Elle fait bruit. Ce petit Star Wars. Moi, je suis pas trop configuré, c'est un minimum. Vrai que ça passe par IA, donc j'avais l'ancien launcher Origin, ça me posait problème tout à l'heure. Changer de launcher, mettre à jour. C'est bien optimisé. Ils ont pas mis l'intro trop tôt. On est parti. Ouais, non, ça va enregistrer ce que j'avais mis. Alors, fenêtre de parade assez large. Hostilité ennemie. Ouais, tout simplement modifier la difficulté. On va être normal. Il est tout en français. Bien fait. T'inquiète, il doublera votre paye. Allez, Cal, un peu de flouze, ça ferait pas de mal, hein? Ok. Super, on y va. C'est pas le col. Je suis juste derrière toi. Ça bouge plutôt bien, hein? Ah, t'en fais pas!
jusqu'au bout. Ah, tu dis ça à chaque fois. Tu te souviens de l'époque où la guilde entretenait une... Après toi, fille. Ouais, c'était le bon temps. Ce contrat impérial, c'est de la bouse de Bantin. Faut payer pour entretenir nos propres affaires. Hé, hey, boucle-la. On sait jamais si ces droïdes nous écoutent ou pas. J'ai bien fait ça. Braca. La bestie séparatiste. J'ai pas vu une lucarole que depuis un bail. Ouais. Clairement. Ces pièces vont nous rapporter un max. Allez, viens, on y va. C'est lui qui casse un vaisseau, quoi. Va falloir que tu passes par ailleurs. Pas de soucis, je me débrouille. On se retrouve là-bas. Ok, on saute alors. Ok, ça glisse. Ouais, ok. Qui se sépare immédiatement. Vous n'êtes pas un déchet approuvé. Je suis un déchet, mais pas approuvé. Corde. Le lore il est énorme. Il y a un sac sur la tête lui. Peine devant. Il bave beaucoup. Hé, hey, doucement. Je fais que passer. Attention, le stabilisateur est mort. Diotominos. Je t'avais dit de changer le stabilisateur. Je suis pas mis sur ta carte d'écran. Je pense qu'il faut s'accrocher. C'est ça. Hé, maniez-vous, on va réussir à finir en avance. Tu peux déjà sentir l'odeur des crédits. Ça va être la grosse fête ce soir. Allez, finissons-en avec ça. Ok, ça sera le basique. J'ai juste appuyé. Très Tomb Raider. Cale le casse-cou. Content de te voir. Moi aussi. Évite de mourir quand même. Ouais, je vais essayer. Ouais, c'est carrément du Tomb Raider. Hein. Souris partout. C'est quoi, des rats de décharge ? Flippant. C'est bon, je fais que passer. Pas la peine de sortir me saluer cette fois. Ça marche. À tout de suite. B descendant, ok. Ok, là, il faut s'accrocher. Oh. Qu'est-ce que tu fais là ? Toi, qu'est-ce que tu fais là ? Hein ?
Une corde. Ok. Par contre, après, je sais pas. Ok. Hop. Est-ce qu'il faut reprendre là? Je sais pas. Ok. Peut-être qu'il faut faire ça. Ça c'est un truc. Ah oui, il coupe les pièces. Ça me dit rien de plus sur la destination. Bestiole là. On est où? Faut monter? Ok. Termine avant qu'il commence à découper l'aile. Actionnez, actionnez! Je bosse aussi vite que je peux. Ouais, ils ont pas fini à ce rythme-là. Dal, actionne le levier de contrôle manuel. Ouais, j'étais trop juste. Ouais, je vois pas. C'est où? Levier de contrôle manuel. Je sais pas où il est, moi. Levier de contrôle manuel. Je suis là. Ce truc est vraiment parti en beauté. C'est Jedi. Une vraie tragédie. Oh, moi j'ai toujours dit que c'était pas tous des traîtres. Oui, c'est possible. On dirait que c'est notre jour de chance. L'Empire va pouvoir récupérer du bon matos. Ouais, on récupère la ferraille de ces vaisseaux de guerre qui servira à en fabriquer de nouveaux. Sacré trafic.
Quand je pense qu'on risque notre peau pour les patrons, et la paye était meilleure du temps de la République, en plus. Mais fais un peu attention à ce que tu dis. Ah, écoute-moi. Avec une prime comme celle-là, tu pourrais enfin te tirer de ce caillou moisi. Qu'est-ce qui te dit que je veux m'en aller? Je t'en prie, Cal. T'es encore jeune. Tu veux pas finir comme moi. Arrive un jour, il faut partir pour vivre sa vie, pour trouver sa destinée. Ouais, si tu le dis. Allez, on devrait redescendre. Je crois que tu m'as pas écouté. Et quoi? Oh, d'accord, d'accord, d'accord. Ouh là 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 là, ouh là là là. Ah, d'accord. Ça se freinait un peu. Prof, tout va bien? Cal, je peux pas remonter. Prof, accroche-toi. Je glisse. Non, ne lâche pas. Je vais pas tenir. Prof, non. Ça va! Mais je suis coincé! Il n'y a plus de pilote! Je vais nous sortir de là! Accroche-toi! Attention, Cal! Attention! Ce truc arrive à peine à voler! Tiens bon! On doit bouger, allez. C'est chaud, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi tout ça? C'était toi? C'était la force, c'est ça? Oublie ce que t'as vu, ok? Allez, fais-moi confiance. J'ai entendu parler d'eux, je sais ce qu'ils font. Il y a les primes sur les gens comme toi, mon pote. Je suis au courant. Je suis au courant. Ouais, d'accord. On doit faire attention. Si il parle, il va se faire traquer. Il est super optimisé, rien à dire. Tu tiens le coup, Cal? Ouais, ça va. Et toi? Ouais. Cal, ça fait un bail qu'on bosse ensemble. Et jusqu'à présent, je t'avais jamais vu faire ça. On en a pas mal bavé, tous les deux. Enfin... C'est un sacré risque que t'as pris pour moi. Et je sais pas comment te remercier. Oublions tout ça. Je suis sérieux. Oh, tu sais, t'en fais pas pour moi. Mais par ici, t'es en danger. Peut-être que tu devrais disparaître. Je dois absolument repasser chez moi à prendre mon sac. Ta peur, ça a une dette envers moi. Je crois qu'il se trouve sur Narshada. Ouais. On va plus voir pendant un moment, prof. Ouais. Ok. Ok, Cal. Il va pas se faire balancer. Avec qui je bosse, ouais.
Il se casse. Attends. Bien foutu, hein. Franchement. Où tu vas ? Qu'est-ce qu'il fait ? Prémonitoire. C'est qui lui ? Mon apprenti, écoute-moi sans faillir. Maître ! N'accorde ta confiance qu'à la force. Le train n'avance plus. Ouais. Et c'est mauvais signe. Oh, le Stormtrooper. Tout le monde debout. Contrôle d'identité. Bon, mettez-vous en ligne. Sûrement une... ces inspections de routine. C'est costaud. Une femme. Est-ce qu'ils sont tous là ? Oui, deuxième sœur. Ou des inquisiteurs ? Nous cherchons un dangereux fugitif. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infâme ordre Jedi. Tous ceux qui refuseront d'obtempérer se verront accusés de sédition. Qu'ils se livrent maintenant, ou tout le monde ici présent sera alors exécuté sur le champ. Je pense qu'il est temps que quelqu'un se lance. Ça fait un bout de temps que je travaille sur cette planète. Longtemps avant la guerre. On rénovait des vaisseaux à cette époque. On était les vrais cadors. Ensuite, l'Empire est arrivé. Alors les ingénieurs sont devenus des ferrailleurs. Les ouvriers sont devenus des exploités. Oui, les gens sont sabres, ok. C'est tout ce qui se passe. Sauf que... on a peur de le dire. Pour l'Empire... nous ne valons absolument rien. Oui. C'est vrai. Non ! Voyez-vous ça, un sabre laser. Je maîtrise le Jedi ! Ça a failli être direct. Ça fait mal. Stop, ne bougez plus. Qu'est-ce que vous faites ici? On se calme. J'ai un fugitif. Hey, c'est pas la peine de le signaler. Il bloque. Ok. À la radio, un
Jedi, prépare-toi. On le laissera pas passer. C'est le traître, avale-le. Il est dur à suivre. Mais... Ah, contact confirmé. Abattez-le. Bougez-vous. Allez, Jedi. Hop. J'ai fermé la porte. Salut Dido, comment vas-tu? T'es bien reposé? Pas le choix. Pas sûr du coup là, mais si c'est ça. Oh oui, justement. Oui, ça m'a pas empêché de dormir, hein. J'ai plus rigolé que stressé. Putain. J'ai préféré me reposer. C'est comme ça que je me prépare. C'est comme ça qu'on se prépare à la mort. On n'a pas le temps de se reposer, sans trop peur. RS, changer de cible. Ok. Je suis le seul à entendre ça. Je vais te défendre. C'est pas moi? Attends. Oh, du costaud celui-là. Ah oui, les attaques ennemies, ok. Ok. Il a combien là? Top. Grand scène ennemi. Je l'ai pas loqué. Et donc? Ça a pété? Ah, faut peut-être monter dessus. Un truc là. Va à l'avant. J'ai bien dormi, ouais, Dido, en fait. Ah ouais, mais ça m'a. C'est vrai que j'ai trouvé un peu en deçà à ce moment. Depuis quelques temps, je sais pas. C'est sympa de jouer ensemble, mais. Mais je trouve ça a perdu de sa. Je sais pas. Oh non! Il me faut un abri! Je dois foncer entre chaque rafale. Maintenant. Ah, le Star Wars, il est super bien optimisé, quoi. C'est une tuerie. Hein. Non, c'est une...
Franchement, en plus, il s'appelle Cal, le héros. Ouais, je pense que c'est. Phasmo, c'est comme un vieux couple, tu sais, qui aurait pas su remettre du sel dans. Du sel, tu vois. Dans ses rapports. Tu reviens parce que t'es nostalgique, mais en fait. Ça semble réchauffer, quoi. D'accord. C'est quoi ça? Ah non, c'est la patronne qui, je pense, est sous amphétamine. Ok, go. Je pense. Oh, il y a un trou. J'avais pas vu le trou. Oh oui, il était bien là. Parce que là. Ma grande a invité des copines sur le pyjama, donc tout a son passé en me faisant des gestes et des danses Fortnite, et puis la patronne aussi, donc dans quel monde on vit. Putain, vache, ça va être chaud là. Plus vite. Putain. Ah oui, là, 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 là. Ça passe, ça passe, ça passe. Il est là. Oh. Ah ouais, il a assez fait. Détruit le coupleur. Descendre. Je dois descendre. Oui, j'ai bien compris. Ah ah ah. Oh non, non, non. Oh, ça c'est pas bon. Pas le choix, il faut monter. Ça bouge. Je te lâcherai pas. Tire-toi là-bas au fond. Ce qu'ils viennent me tirer dessus.
Fayou. J'ai plus beaucoup de vie. Hein. Quoi encore? On s'est arrêté? Cognos. On dirait le Falcon Millennium. Hein? Ah non. Ça rend du sec quand même. Tu vas quelque part. Je reconnais cette posture. Alors tu as été formé finalement. Qui était ton maître, Padawan? Une de mes victimes peut-être? Quel Jedi s'est sacrifié pour que toi tu puisses vivre? Putain, moi je suis pas prêt, hein. Je suis pas prêt du tout. Oulala, oulala, oulala. B. Ça commence mal. Je vous le dis. Ça commence très très mal. Ouais. Je vais crever. Je vais crever. Parce que tu peux pas le gagner. Tu peux pas gagner le duel. Mais pas assez fort. Ça va, tu vois. Capitaine! C'est des choux pas de là. Très bien. Alors éteins-moi ce truc et assieds-toi. Merci pour le coup de main. Mais vous êtes qui exactement? Mon nom est Serejunda. Et voici mon capitaine, Gris Dritus. Comment ça va? Le Mantis est mon vaisseau, mais je te conseille de bien écouter la dame. Alors, qui es-tu? Cal, Kestis. Et cette femme, c'était qui? Une inquisitrice impériale. Une adepte de la force qui traque les Jedi sans relâche. Et maintenant qu'elle sait qui tu es, elle ne s'arrêtera pas tant que tu seras en vie. Comment vous savez ça? Et pourquoi vous m'aidez? Nous épions toutes leurs communications.
On connaissait l'itinéraire des Inquisiteurs. Alors nous sommes venus. Ah oui? À combien s'élève la prime pour un Jedi en ce moment? Non, mais t'as entendu ça? Je comprends. Tu as survécu seul pendant si longtemps que tu ne peux plus faire confiance à personne. C'est pour ça que tu es encore en vie. Mais il y a beaucoup plus en jeu que de survivre. Comme quoi? Faire renaître l'Ordre Jedi de ses cendres. Oula. Vous deux? Et personne d'autre? Oh, on n'est pas assez bien pour toi? Et le Conseil Jedi? Disparu. Donc vous n'avez que moi. Capitaine, nous allons sur Pogano. D'accord. Et pendant ce temps-là, tâche de te reposer. Tu ne crains rien. Pour l'instant. Oui, parce que je pense, vu le début... Tu dois partir pour vivre ta vie. Pour trouver ta destinée. Cal, attention! T'es au courant que tu causes en dormant? Cinglé. On a débloqué le Mantis. Fistouler quelque chose, c'est seulement le robot qu'on va avoir après. Okay, fermé. Juste la guitare. Est-ce qu'il s'y rapproche? Je l'ai composé il y a longtemps. En touchant un objet, tu vois les événements qui lui sont associés. Tu ressens son passé. C'est un écho dans la force lié à cet objet. Peu de Jedi ont cette capacité. Comment vous savez ça? J'ai été un Jedi. Mais plus maintenant. Est-ce qu'on se connaît? Non. Mais je connaissais ton maître, Jarro Tapal. C'était un vrai gardien de la République. C'était un vrai héros. Écoutez. Il m'est arrivé quelque chose pendant la purge. J'ai survécu, mais... ma connexion à la Force a été endommagée. En méditation, si jamais je baisse ma garde, je perds le contrôle. J'ai l'impression de revivre ce moment où... Tu es vivant, Cal. Et tu n'es plus seul. C'est terminé. On approche de notre destination. Si vous avez jamais vu des yeux globuleux, là, c'est la peine de regarder. Pogano. Nagano et Pogano. Et voici Pogano. Un Jedi que je connaissais à la découverte avant la purge. Tu ne la trouveras sur aucune carte. L'Empire ne sait pas que cet endroit existe? Non. Alors? Quel est le plan? Se cacher ici? On ne se cachera plus, Cal. Tu vois ce bâtiment là-bas? Je pense que ce sanctuaire renferme la clé pour recréer l'Ordre Jedi.
Mais seul quelqu'un qui maîtrise la Force peut réussir cette épreuve. Et comme vous n'êtes plus Jedi, vous avez besoin de moi. Je sais que tu ne me fais pas confiance. Et moi aussi, j'ai encore des doutes à ton sujet. Mais nous avons un adversaire commun. Et une cause commune. Je t'en dirai plus quand tu auras rejoint le sanctuaire. Mais bon, en attendant, j'aimerais que tu rencontres quelqu'un. Que la Force soit avec toi. Comment tu peux ne plus être Jedi? Les effets de lumière et tout, vraiment, c'est un sacré travail. Ça doit être un Jedi que je cherche. Mais s'il y en a déjà un ici, pourquoi Serré a besoin de moi? Une compétence obtenue. Grandissement. On peut changer de couleur, d'accord. Mais poncho. Ferrailleur. Ou veste. On va rester en pot de je sais pas quoi. Non mais je mets comment le point de compétence? Oh, il y a des bestioles partout. Oh. L'endroit a l'air sûr pour méditer. Il faut seulement que je me concentre. Oui, mais comment fait-on méditer ici? Ah oui, pas vu. Ah, c'est là que tu mets les points. Les points de sauvegarde sont disséminés sur la carte. Interagissez avec ces points pour sauvegarder votre progression. Elle peut se reposer, dépenser des points pour obtenir de nouvelles compétences. Ok. Alors. Ok. Arbre de compétences. Ouais, pas grand chose pour l'instant. Alors. Pour apprendre la frappe haute. Les plus faibles. Ok. Avec Y. D'accord. Ok. Et donc après on part sur force, sabre laser, survie. Ça jauge de garde, ouais. Santé maximale. Ouais, tout sympathique. Hein. Ouais, cool. Ok. Bon. On peut faire autre chose? Ok. Bon, le seul truc, moi, je trouve, ils auraient pu trouver mieux comme héros. Je trouve Fadas. Salut. BD1. Moi, c'est Cal. Ouais, ça va. Mais je voudrais trouver quelqu'un. Non, pas toi. Je recherche un Jedi, je crois. Oui. Attends, tu le connais? Qu'est-ce que tu sais? Hé, hey, t'en vas pas. Pirater ce truc? Merci. On va s'accrocher à la fougère, hein. Le sanctuaire dont Serré m'a parlé. Celui que je recherche doit se trouver ici. Tenir le sanctuaire à la main pour le mettre comment? Déplacer, ouais, ok, d'accord. Ok. Ah ouais, inexploré et d'accord, ok. C'est bien foutu. Je mets comment le carte? Thank you.
force. Ça. Ok, là, il sort son sabre. Ouais, mais je sais pas comment la sort la carte. Paramètre, c'est pas ça. Mais d'ailleurs, il est occupé. Il est occupé. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il faut que je regarde. La carte, elle est où? Carte C-Select. Ah, il est occupé, c'est pour ça que je peux pas avoir la carte. Ouf. Je sens quelque chose ici. Il y a des ennemis. C'est un sacré insecte. Oula, rage. Oh, pas gentil. Je peux me tenir là. Ça s'accroche pas. Et oui, mais on saute. Hein. Okay. C'est une impasse. C'est sûrement ce qu'a voulu me dire BD1. D'accord, je t'écouterai peut-être la prochaine fois. Putain, je l'ai pas vu. Qu'est-ce que j'ai fait? Des Boglings l'ont tué afin de protéger leurs œufs. Protéger les œufs. Cap peut percevoir des informations dans la force en touchant certains objets. D'accord. Donc je les coupe en deux. Et du coup. J'ai pas repéré d'autre chemin, c'est ça qui m'inquiète. Hein. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il me dit BD1. Une suggestion? Il faut que je parvienne à franchir ce gouffre. Une tyrolienne? Comment t'as su que ça marcherait? Hein? Tu savais pas? Je te crois, mais je voudrais aller voir quelque chose de ce côté. On me disait quand même, on sait jamais. Me reposer. Alors, qu'est-ce que ça offre à quoi ça? Oh ouais, non mais là, je vais me faire bouffer par le truc là. Mais c'est qui volait? Ouais, parce que là, il est là. Oh, il est occupé. Bon, on verra après. Ça ne veut pas s'ouvrir. Voilà, je vais faire le tour. C'est chaud. Ça cache quoi ce truc là? Oh, des bestioles. Ah, ça fait, il fait lampe torche aussi.
truc a l'air de sentir plus mauvais que grise. Attention. Il va me faire un truc là. Oui. Il m'a fait mal. Oui, il m'a tué d'un coup. Oh, il va me tuer. L'esquive, elle est hard. L'esquive, elle est très très hard. Ouah. D'accord. Costaud quand même. Peut-être pas assez fort encore. Attention là-bas. Ça a l'air dangereux. C'est pareil qu'à la décharge. Tiens bon, Billy. J'arrive. Quelqu'un s'est servi de cette pièce comme entrepôt pour stocker vivres et matériel. Il est passé où Hey, c'était plutôt courageux. Ça va pas? Attends, je peux peut-être t'aider. Tu veux bien? D'accord. Voyons. L'interconnecteur m'a l'air HS, mais ça devrait t'aider à te déplacer pour l'instant. Et voilà. Et c'est ça. Qu'est-ce que vous montrez ? Le sanctuaire ? Ouais, c'est là-bas que j'allais. Ok, alors. On doit d'abord trouver un moyen de sortir d'ici. Oh. Personnaliser le sabre laser. Je pense. Ok, ça. Ici, y a rien. BD, c'est un peu étroit pour moi. T'en fais pas. Je trouverai bien une autre sortie. Si ça passe. C'est étroit, mais ça devrait aller. Tiens. C'est une piole, là. Je dirais que ces plantes mènent quelque part. Faut pas qu'elles lâchent.
Là, je le sens pas là. Peut-être la force. Ah, c'est pour être juste. Sortir là. Il est toujours occupé lui. Là, je vais prendre le jus. Bon. Je vais taper. Ah, c'était obligé. C'était obligé. Ouais, je vais m'en remettre. Ah. De soins. Toi, t'es plein de ressources. D'accord, ok. Ça, ça fait du bien. Merci, petit droïde. Ok, on va réessayer. Ok. Oh, tout le monde à bord. Bon. D'où tu débarques? Tu te souviens pas? Un droïde peut être amnésique. Oui, tu marques un point. La carte. Ok, là on peut utiliser la carte à n'importe quel moment. Est-ce qu'on a visité ici? Je sais plus. Je crois que oui. Hé, hey, un coffre. Tu crois que les Jedi nous laisseraient nous servir? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Un noyau moteur. D'accord, ok. Je peux changer le sabre si ça me... Voilà, quand elle change combat. Ouais, je peux le changer de suite. Pas pris de dégâts. Ok. Ok, bon, il y a quelque chose d'intéressant. Donc là, on va pouvoir modifier, je pense, le sabre. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Ah, campagne. Ici, ouais. Et nos Cordova, c'est sûr. Donc ça change quoi? Ouais, il sort comme ça ou comme ça. Ouais. C'est pas spécialement mieux. Hein. Bon. Pour l'instant, je change pas. Ça va très bien. Alors. Par contre, je sais pas comment je vais tuer l'affreux là, parce qu'il est vraiment balèze. La corde. Ok. C'est là qu'on doit aller. Je peux le sentir. On est caché là, non. Le scan. Alors, t'as fait une carte des lieux qu'on a traversé? Il y a plein de trucs qu'on n'a pas.
Il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait. Je peux pas passer par là. Il faut qu'on trouve un autre accès. 30%. 30% explorer. Non, moi je suis arrivé de par là. Putain. Ah, ma boulette. On peut pas la prendre à l'envers en fait. Si, ça peut passer ça, non? Si, ça passe. C'est moi qui sautais comme un piment. Pour l'instant, d'accord, je peux pas l'appeler. Oh la vache. Il s'échappe. Fallait oser. Ne traîne pas, BD1. Oh, lui, il est gros, lui. Oui, mais je sais pas comment je vais atteindre le truc, là. Pour le coup. Alors on descend ici, peut-être par là. Effectivement. Oh mais celui-là il fait du bien. J'étais quand même... d'aller au sanctuaire. Ok. Donc on a récupéré des ennemis. Un bougat. Où tu vas? Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Orbe de Pogano. Nouvelle tenue. Oh, mais c'est une blague, je reviens au même endroit en fait. Chaud quand même. Je peux remonter, mais
y avait un camp ici. Sûrement quelqu'un sur les traces d'une créature géante vivant par là. Un binog, apparemment. Hé hey, BD1. Je sais pas quelle fréquence a rechargé. Lui découper. C'est un peu le... Non, je peux pas. C'est chaud quand même. Bon, faut que je chope le... Comment je remonte là? Ah, ici. Les choupes. Tu s'inscrives rien du tout en fait. S'inscrives rien du tout. Point de compétence obtenu. L'interconnecteur doit être réparé. Cette créature a l'air dans son élément. Protecteur de Bogano ? Je croyais que c'était toi. Je sais pas. J'avoue, je sais pas trop. Ah. Pas vu ça. J'avais pas vu ça. Si j'en viens, il fallait que je descende encore. Je l'ai vu ça. Ah mais si je me repose, ils repopent tous. Hein. Quoi que j'ai déjà fait en haut, donc je suis pas descendu. Ça gêne pas. Ah non, j'ai un point de compétence aussi. Aïe. Alors qu'est-ce qu'on a comme truc? Augmente le niveau de santé maximale de... Ouais, je vais y arriver. C'est un peu juste quand même. Là, on va essayer de descendre. Il y a des bombes. Oh. Il y a un gros là. Oh oui, un gros. Oh. Oula. Qu'est-ce qu'il fait ? On va s'enfuir. Casse-toi. Ok, ça marche pas. Ouf. Ici, toi. Il est où? Oh! Putain. Il va me faire mal. Ah, il va me faire très mal. Ouh.
Où était Gaillard, lui? Rien quoi, il a un saut de... Oh putain. Ouais, je suis pas convaincu mais bon. Il y a un truc là, mais j'arrive à le choper sans. Je vais pas y arriver. Ah putain, bizarre. Oh. Hop là. Encore un scan? Poisson para. Quelque chose? Ah, pour apprendre à sauter et courir, mais comment on fait? Je sais, cette voie n'est pas facile. Elle peut même te sembler impossible. Mais la persévérance et la force sont d'excellentes alliées. Elles t'aideront à surmonter tous les obstacles. Ta maîtrise sera totale. Maintenant, fais ton possible pour m'atteindre. Ok, j'ai compris. Plus vite, plus d'intensité. Allez, rejoins-moi ici. J'ai réussi. La persévérance et la force sont mes alliés. Je me rappelle juste quelques trucs. Non. Faut pas retoucher comme tu sautes.
Tu peux me remontrer ce raccourci ? Dernier sanctuaire. Oh, j'ai pigé. Est-ce que je peux l'atteindre en faisant ça? Ça marche pas? Quoi ce bordel? Bah. Ça peut courir sur... Non? Mais je vais m'échauffer le truc au filet, quoi. Ok, c'est là alors. Ouais. Ok. Ce sac appartenait à quelqu'un de Coruscant. Cette personne en voulait au Conseil Jedi. Un truc pour déplacer, ou alors je sais pas. Ouais, c'est dommage, j'ai pas pigé comment. Oh putain. Ouais, je vois pas trop l'histoire là, mais. Comment je peux atteindre le coffre là? Mystère et boule de gomme là. Oh putain. Oh joli. Joli, joli. C'était une zone de méditation. Pour quelqu'un connaissant l'ordre Jedi. Comment tu vas sortir ce truc? Hop là. Je suis perdu. Tester un truc, mais je suis pas sûr que ça marche. Hein. J'ai assez chaud. Si je saute là, jamais je monterai quoi. Ah, c'est compliqué. Il vibre, mais qu'est-ce que ce bordel? Explorer.
Ouais, mais je sais pas comment on fait. Position du joueur. Je suis pas loin du truc là, c'est quoi ce bordel? Ça serait par là quoi. Non, j'ai merdé. Oh, j'ai la chance. Ah, ce serait ici. Que je pouvais m'appuyer dessus. Ah. Qu'est-ce qu'il faut faire? Putain, c'est quoi ce problème? Je suis sûr qu'il y a un truc de force à faire. Si c'est pas ici, tu vas mâcher. J'ai de la chance. Quoi, c'est une catastrophe le mec. Ah bah là je suis un caca. Ah là je suis un caca. Oui, là je suis un caca. Quoi de compétences obtenues, je suis dans le caca. Il va arriver, il va me faire mal. Mais je tombe mon gars. Parce que là. Il est vénère le copain. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il est énervé. Ah, il se latte entre eux. Où il a tombé? Ah, il est là-dessus. D'accord, je peux courir comme ça. Ok. Oh. Et bien. Tiens, ce calme. Ouh, c'était chaud. Courir sur la plaque, d'accord. On peut courir sur l'autre, d'accord. Je vois pas trop. Hein. Oh, d'accord. Qu'est-ce que c'est, Bédia? Ça serait ici.
Oui, mais ça m'avance à quoi en fait? Ici, il n'y avait rien. Oh putain, oh, j'ai loupé le truc. Ah. Est-ce que je peux le tuer comme ça, lui? On va mettre une kine encore. Ouais, j'ai tombé. Et il est complicado quand même, hein. C'est pas très bien expliqué, hein. Peut-être en courant, mais Non, c'est là, c'est ça qu'on risque. Peut-être comme ça, par contre. Ouais. Ça oui. On fait la course. C'est parti. Oui, non. C'est pas encore fini. Ok, d'accord. T'aurais probablement gagné. Probablement. Ouais, mais c'était vrai. Ça pouvait servir. Ça, ça c'est la force. Augmente le niveau de force. Ça change de garde. Augmente le niveau de force maximale. C'est lugubre. Impressionnant. On le sabre. Est-ce que ça va, BD? Bien joué, qui que tu sois. Tu as brillamment passé mon épreuve. Tu es digne d'accéder au sanctuaire et à cet enregistrement qui est l'un des nombreux fichiers cryptés qui se trouvent dans ce droïde. Je suis Maître Eno Cordova. Ton nom m'est peut-être inconnu, mais je connais bien ton objectif. C'est sur tes épaules que repose le destin de l'Ordre Jedi. Ce temple, ce sanctuaire est un endroit sacré, bâti par une ancienne civilisation qu'on appelait les Efo. En méditant en ce lieu, j'ai eu comme une prémonition de la Force, une vision de mort.
J'ai dissimulé un holocron de Jedi au sein de ce sanctuaire. Les noms de tous les enfants de la galaxie sensibles à la Force et leurs emplacements se trouvent dans cet holocron. La chambre intérieure du sanctuaire est juste devant toi, mais une autre épreuve t'attend. Je ne peux confier cet holocron qu'à une personne qui a su suivre mes pas et qui me comprend. Il te faudra trouver les tombeaux cachés des trois sages et apprendre à percevoir les mystères de la Force comme l'ont fait les Zephos autrefois. Dans ce droïde, tu trouveras ce dont tu as besoin afin que ta quête soit couronnée de succès. Va sur la planète des Zephos, et là, tu y trouveras la paix au cœur de la tempête. Bonne chance, Jedi. Et que la Force soit avec toi. D'accord, ok. J'imagine que c'est celui que je devais trouver. Tu sais, ça fait longtemps que je suis tout seul. Je me cachais, sans but précis, isolé. C'est pas une vie, tu sais. Pas pour un Jedi. Ou un droïde. Peut-être que Céré avait raison. Il ne faut plus se cacher. Hey, tu aimerais que je te présente quelques-uns de mes amis ? Défaut. Bon objectif. Ok. Donc du coup, je disais le low-cost. Ah mais il faut repartir dans le vaisseau. J'ai trouvé ce que vous vouliez que je voie. J'ai l'impression, en effet. Nous t'attendons. Oh, c'est sûr, ça. Il va me pourrir la vie, lui. Oh là là, oh là là, oh là là. Il va falloir que je le tue. On va être chaud. On va être chaud, patate, lui. Sauter. Ouf. Voilà, je suis déjà assez vide. Ok. Bon, on a presque buté. Il va crever. Dégueulasse, lui. Merci, BD1. Oh, dodo. Oh, quelle horreur. Regardez ça. Beau travail. Je l'ai abandonné. Ils sont pas trop méchants. J'ai le temps de les sous là. Ah! Il est pas évident quand même. Au départ.
faut porter de l'intérêt à Datomir. C'est étrange que cette civilisation aussi pacifique soit fascinée par un endroit si sombre. Un scan ? Ça devrait aller plus vite qu'elle allait. Je pense aussi, sauf que... D'accord. C'est chaud patate, il est juste en bas. L'enchaînement là. S'il a vu. Scan. Travail. Ça y est, tu as réussi. Vous étiez au courant pour BD1 ? Monte à bord, et on va en parler. Oh, BD1, ça c'est Grise. Salut Grise ! C'est quoi ça ? Vire-toi mon canapé ! Ouch ! Descends de là ! Allez, fiche le camp ! Allez ! Ça, c'est BD1. Il est avec nous. J'en ai rien à faire. Est-ce que tu sais à quel point c'est compliqué de nettoyer des taches d'huile sur du tissu en poil de potoli ? Non, pas vraiment. Oh, j'espère que tu nous as ramené autre chose que ce droïde. Oh, du calme, Grise. C'est le cas. Vas-y, calme. Le sanctuaire a été construit par une ancienne civilisation, les Efaux. Un Jedi nommé Enno Cordova y a dissimulé quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a caché ? C'est un holocron des archives. Contenant une liste d'enfants sensibles à la Force. La prochaine génération de Jedi, je le savais. Ah, Cordova, vieux brigand. Vous le connaissez ? Oui. Il y a bien longtemps, j'étais son apprenti. Mm-hmm. Cordova était solitaire. Ses petits droïdes et moi sommes sans doute les seuls à savoir pour Bogano. Oh là, attendez, attendez. Un holocron ? Un holocron. Ils contiennent des données auxquelles seul un Jedi peut accéder. Attends, je crois que j'en ai un quelque part. Utilise la Force. Ici Maître Obi-Wan Kenobi. J'ai la grande peine de vous annoncer la chute de la République et de l'Ordre des Jedi. Avec les enfants de cette liste, nous pourrions reconstruire l'Ordre Jedi et renverser l'Empire. Ok, pas de problème. Allons-y! Oui, mais l'holocron se trouve caché au cœur du sanctuaire et il faudra suivre Cordova pour l'obtenir. Je crois qu'il a évoqué la planète Datomir et le monde natal de ses Efaux. Ok, très bien. Alors où on va ? Je demande ça parce que je pensais me mettre au fourneau. Écoutez, avant que nous agissions, j'ai besoin de savoir. Pourquoi avoir quitté les Jedi ? À cause d'une expérience qui a changé mon point de vue. J'ai dû... rompre mes liens avec la Force. Mais vous voulez reconstruire l'Ordre ? Je crois que reconstruire l'Ordre est notre seule et unique chance de rivaliser avec l'Empire. Et toi, qu'en penses-tu ? Je pense que je ne peux plus continuer à me cacher de l'Empire, donc il ne me reste pas beaucoup d'options. Cal, tant que tu vivras, tu auras toujours le choix. Tu es partant ? D'accord. Datomir ou Zepho, c'est toi qui décides. Là, il y a le choix.
Hé, hey, Grise, c'est quoi ce truc? Quoi? T'avais jamais vu un terrarium avant? Si, mais on n'est pas censé y mettre des plantes. Hé, hey, dis donc, j'ai été plutôt occupé à te trimballer dans toute la galaxie. Tu pourrais peut-être me remercier en me trouvant des graines. Tu détestes pas la nature? Je la déteste à l'extérieur. Mais derrière une plaque de verre d'Ombara bien épaisse, y a rien de plus beau. D'accord, je vais voir ce que je peux trouver. Je pensais que j'avais trouvé des trucs à... méditer. Voilà, c'est ici. Est-ce que j'ai trouvé de nouveaux trucs? Non. Un nouvel interrupteur. Il est pas mal. Ouais, sans doute nous y en fait. Ok. Il a tenu. La tenue, je crois que c'est ici, la tenue, on peut changer à tout moment. Ah, mais je vois pas là. Personnalisation. Hop, de Bogano. Ok. Pas terrible, là. BT1. Il peut être jaune, ouais, ok. On a mis un poncho. Préviens-moi quand tu voudras partir. Choisissons une destination. Objectif principal, il me l'a mis là. Joséfo. 62% exploré. Ok. Débloqué, exploré donc. Voilà, c'est ce que. Ouais, ça m'ouvre la carte. Ok. Voyager. On a mis le cap sur Zepho. Tu m'as jamais dit comment t'es devenu Jedi? J'ai été repéré par un éclaireur quand j'étais petite. On m'a emmené au temple pour me former. Ah oui, les éclaireurs. De sacrés numéros, ceux-là, je te le dis. Tu n'as vraiment aucune idée de ce que c'est, vrai? Pas la moindre. Ils éclairent quoi? Eh bien, ce sont des Jedi chargés de trouver des jeunes sensibles à la Force. Comme ceux de cet holocron. J'en faisais partie. Wow, tu sais ce que ça veut dire? Je n'ai pas découvert Cal, si c'est à ça que tu penses. Non, ça veut dire que j'en suis un, moi aussi. C'est possible. Ouais. Grise l'éclaireur. On est arrivé. Attache-toi. Bien foutu, ça. Vraiment, c'est vraiment bien foutu. Dis donc, il y a une sacrée tempête. Pas le meilleur moment pour atterrir. Oui, il y a quelque chose d'étrange. J'ai des interférences radio causées par le vent. Hey, Cordova avait dit un truc sur la paix au cœur de la tempête. Et j'aperçois une colonie au milieu de tout ça. Alors il faut qu'on y aille. Bien sûr. C'est pas ces quelques secousses qui vont te tuer, petit gars. Sauf si le vent s'y met. Tu peux demander à ce tas de ferraille de garder son opinion pour lui. Je suis sûr que la situation est sous contrôle. Bien sûr qu'elle est sous contrôle. C'est juste un peu délicat.
Ok, allez, tout doux, tout doux. Parfaite maîtrise. Et sans aucun effort. Mais les interférences à la radio sont toujours aussi nombreuses. Il me faut un moment pour la remettre en état de marche. Je vais chercher des traces de Cordova pendant ce temps. Bien. Je te contacte une fois que c'est réglé. Cal, par ici. Tu as fait du bon travail sur Bogano. Une seconde. Vous avez connu beaucoup d'épreuves. C'est pas facile. Non, en effet. Mais je pense à ceux qui m'ont accordé leur confiance. Si je baisse les bras, cela revient à les trahir. Je suis sûre que tu me comprends. Prof, un ami sur Braca. Il s'est sacrifié pour que je survive. Il croyait en toi. Beaucoup de gens comptent sur toi, qu'ils en soient conscients ou non. Cal, tu dois tenir bon. Pour Prof. Pour tous les autres. Et le, il est où le petit poilu là? Ah, il est là. Beau travail. On a réussi. On l'a fait. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu regardes? Mais à qui tu parles? Ah, au vaisseau. Le Mantis. Joli nom, hein? Ça impose. Je te dis ça, mais t'as sans doute jamais piloté de vaisseau. Je t'apprendrai peut-être un jour, quand t'auras fini tes trucs de Jedi. Je pourrais même te faire un prix, si tu veux. C'est scellé. Ok, bon. Oh, c'est vraiment bien foutu, chaque biome. Hein. Allez, bouffe un Stormtrooper. Deux. Ils sont en train de bouffer, ils se disputent un. Fais attention, Pédis. Ils ont l'air dangereux. Ouais. Encore un? Qu'est-ce que c'est? Cal, tu m'entends? Les Impériaux, ils ont trouvé Zepho. Ils avaient suivi le Mantis. Ils nous auraient déjà submergés. Ils sont à la recherche des tombeaux? J'espère bien que non. J'ai trouvé comment faire marcher la radio. Je vais essayer la même astuce pour pirater la leur. Ok, bon, ça semble pas bon.
Oh la vache. Putain, je l'ai pas vu. Oh la vache. On va me tuer. Je dois me faire soigner. Bon timing. Caché là, peut-être. Un écho. Une mère s'est servie de ça pour tenir son enfant au chaud. Il fuyait quelque chose. Une boîte de Steam. Ouais, ici. Attends, tu peux en prendre plus ? Merci, Bélia. Ça, c'est bien, ça pue ce Steam. Ça c'est bien, ça c'est des bonnes trouvailles. Alors, on va essayer de ressortir par là. Là je pouvais continuer le chemin là. Voilà, ici. Ça me touchait quand même. Scanner. Oh. Qu'est-ce que c'est ? Un scaz. Hey. Qu'est-ce que c'est, BD1 ? Nouvel émetteur. Sens obtenu. Il y avait un truc. Bien joué. Putain, il y a des stormtroopers partout. Vu, si. On va lui régler son compte. Oh, ils m'ont pas vu. Ouh, ça fait beaucoup de monde tout ça.
approche. Il faut qu'on l'arrête. Comment tu te sens, BD1? Bien, tant mieux. Pars avec elle, je vais les éloigner. Asta, non! Ah mais c'est ici le... Punch... Oh il est pas terrible. Il n'y a pas de sauvegarde. Il n'y a pas de sauvegarde direct, il faut aller sur des... Hop là. Scout Trooper. Allez, il est mort par contre. Bon, je m'améliore. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Un ennemi en dessous. Non. Au bout d'un moment, lui. Faites-lui mal. Combien? Deux. Je prends la tête de la poursuite. Ah, je savais que ça finirait comme ça. Au travail. C'est un commandant. Ce qui est passé. Je peux pas, je suis pas assez fort. Ce ne sont que des mensonges. L'Empire voulait seulement ses terres. Où est-ce que vous nous emmenez? Les Impériaux ont capturé les villageois. Des réfugiés effrayés, envoyés dans des camps de travail. Ou pire encore. Donc, je vais bloquer pour la suite. Hein. Je peux pas continuer là. Je n'ai pas ce qu'il faut. Cette passerelle qui peut m'aider là, mais je peux pas la déplier encore. Je crois pas que j'ai assez de force. Il voilà. Faut que j'augmente mes pouvoirs. T'as vu? Feu. Tu me tires quand même. Et attention à ces grosses troupes bleues, Stormtrooper. Mais si nous prend par surprise, oh, ennemi en approche. Allez, tiens. Compétence obtenue. Hey! T'as trouvé quelque chose, BD1? Pas mal. Jedi!
Là, je serais remonté jusqu'à là. J'essaie de fouiller un peu plus là. Je vais le tout voir. J'ai un peu de méditation. Connecteur. Ok, donc on peut faire le tour. C'est là où ça merde, ouais. Ok. Alors, arbre de compétence. Je crois qu'il faut augmenter la force quand même, hein, parce que là. Un petit peu de force quand même. J'ai encore un peu de compétence. Suivant de dégâts, ça jauge de garde. Ça c'est un chargeur en grandissement que le PM1. Et ça c'est XY. Un talent pour une esquive rapide. Hein. Ok, avec X. Je sais pas du tout. Allez, glisse. Ok. Pour 5% explorer. C'est pas si gros que ça en fait. Bloqué, ça c'est le passage. Ok, ici, moi je suis là. Inexploré, inexploré. Il y a deux chemins. Bon, mais c'est bien. On a bien avancé. Quitter, retour au bureau. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Après, ça demande une petite prise en main quand même. Qu'est-ce qu'ils me disent Pas du tout. Il s'est coupé. Allez, donne-moi le quart. Il y avait Dido ce soir. On n'avait que Dido, on n'a pas vu Bad. Ah, il y avait Pocket aussi. Pocket qui était là. Alors demain, je pense qu'on va faire The Last of Us. Il faut que je continue parce que qu'on avance grave. Je suis très en retard. Au moment qu'on avance, après mardi, je pense qu'on fera du WoW. Mercredi, New World. Il nous reste. Faut que je voie le planning aussi. Passez une bonne nuit. À demain.